Nous reprenons en fait les différents modules. Donc là, nous allons voir, nous avons vu l'histoire en fait du start-upper. Nous avons vu le fait de bien se présenter, donc une approche efficace de la communication. Nous allons maintenant parler de l'équipe. L'équipe est importante. Je vous ai dit dans l'introduction, c'est probable que un des trois facteurs d'échec de la start-up, c'est l'équipe. Le premier facteur, c'est vous avez une bonne idée, mais vous ne rencontrez pas votre marché. Deuxième, c'est l'équipe, parce qu'elle n'est pas complémentaire, parce qu'elle se dispute, parce que pour différentes raisons. Et puis, vous n'avez pas de financement. Donc là, on va voir un peu l'équipe. Là aussi, j'ai pris, comme pour la communication, je me suis fondé sur un module de programme du Project Management Institute. Qui donne un certain nombre de petits outils et de petits éléments concernant l'équipe. Donc on va travailler là-dessus. Je tiens simplement à préciser que quand j'ai été contacté, moi, il y a 2-3 ans, parce qu'il y a les premiers concours de start-up qui se mettaient en place au Vietnam, j'ai été assez surpris parce qu'effectivement, on évaluait les projets en fonction de l'idée, en fonction du marché, en fonction des finances, mais on ne prenait pas en compte l'équipe. C'est fondamental. L'équipe, c'est fondamental parce que c'est ce qui va vous différencier des autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ou dans un autre module, les gens vont parier sur ce qu'ils voient. On ne parie pas sur le futur. Personne ne peut prédire le futur. Donc on va parier sur ce qui est constitué. Qu'est-ce qui est constitué? Encore une fois, ce n'est pas l'idée, c'est le brevet. C'est l'équipe qui est là, en qui on a confiance. Et c'est les fonds que vous pouvez amener, que cette équipe peut amener. Donc l'équipe est fondamentale, d'accord? Alors, en fait, on va regarder dans cette présentation d'équipe, on va revoir un peu, selon le PMI, quelles sont les croyances qu'on a dans le fait qu'une équipe peut être performante. Comment, et je pense que ça va être, s'il y a un slide en fait dont il va falloir se souvenir, ça sera celui-là. Comment en fait on passe d'une évolution d'équipe finalement entre le fait d'avoir une équipe sous la direction de quelqu'un qui va faire quelque chose à une équipe plus indépendante qui va pouvoir prendre en compte les différentes activités de la start-up et quelles sont les différentes phases qui vont finalement se succéder. Et puis il y a les différentes valeurs, les styles de management et puis l'effet Pygmalion le fait que plus on se dit quelque chose, plus effectivement cette chose, le syndrome d'auto-réalisation, l'effet Pygmalion.